Cette fête est importante pour nous, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2 ans. La principale caractéristique du Conservatoire des Landes, c'est d'être éclaté sur le département. Et donc c'était important de temps en temps de créer ce rassemblement pour que les élèves se connaissent, pour qu'ils réalisent l'établissement dans lequel on est. On est quand même l'un des plus gros conservatoires d'Aquitaine. Et quand je dis Aquitaine, c'est au sens de la nouvelle Aquitaine, celle qui va des Pyrénées-Atlantiques à la Creuse. Et les élèves, parce qu'on est aussi un équipement de proximité, ne le savent pas. Donc voilà, là, ils ont l'occasion de s'en rendre compte. Ils ont l'occasion de voir que oui, le conservatoire, c'est une centaine de profs qui sont à leur service. Véritable héros de la soirée, ça va être les choristes qui ont monté la pièce, donc l'Atelier du Nouveau Monde de Julien Joubert. Et là, ils ont la chance de pouvoir chanter accompagné par un orchestre symphonique, ce qui est évidemment aussi un plus pour le spectacle. L'Atelier du Nouveau Monde, c'est la renaissance depuis la découverte de l'Amérique, l'invention de l'imprimerie, etc. Et quelque part, cette idée de l'humanisme était quelque chose qu'on avait envie de porter très haut et très fort. Donc voilà, ça s'est passé assez naturellement, le choix s'est très très vite fait et il y a eu une adhésion franche et massive de la part des enfants. C'est une musique très très diversifiée puisque parfois, on est vraiment complètement dans la tradition symphonique, mais il y a aussi un tango, il y a aussi un rock. Voilà, il y a quand même cette dimension d'ouverture qui est très très importante. C'est toujours un plaisir de venir. Voilà. On ressent la chaleur qu'il y a entre eux, cette convivialité, tout ça. Ils sont très forts. On adore. Bravo, on est leurs fans, leurs meilleurs fans. Thank you.